on aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause, la démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront, face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté. Donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. Et les technologies qui permettent aujourd'hui de plus en plus de surveiller, de créer les conditions de contrôler, où chacun lui-même se contrôle et surveille lui-même et les autres, donnent par la technologie les moyens de faire passer la surveillance par-dessus la liberté. On voit